Donc désolé, j'espère que ça va continuer à marcher, je ne sais pas. Donc nous sommes maintenant le samedi, donc 14 août 2021. Donc j'espère que ça ne va plus coupe-coupe. Donc je suis désolée hein, de ceci, voilà, toc. Donc je disais, oui, donc voilà, hein, je vous avais dit famille, mais vous voyez qu'il se passe, qu'il y a plein de feux donc criminels un peu partout. Donc oui, c'est criminel. Et puis bon, vous savez, avec des drones et des lasers, on peut faire ce que l'on veut. D'accord? Donc j'avais sorti aussi donc ceci. Donc réunion, oui, soi-disant, il y a des réunions, mais tout est planifié, hein, des compromis, hein, il y a la trahison. Je vous avais dit qu'il y a des personnes qui regardent un petit peu ce qui se passe, mais là, ça me parle de surveillance. Surveillance, surveillance, surveillance sur certaines personnes, toutes les personnes, voilà. Voilà, tout est bien organisé, tout ceci. Je vous avais sorti aussi donc la carte de l'étranger, la France. Donc l'étranger, ce qui se passe aussi donc en Israël. On aurait des nouvelles. Là, ça nous parle toujours des forces de l'ordre et puis donc de l'armée. On aura appris certaines choses aussi vis-à-vis de l'étranger. D'accord. Il y avait la carte de la chance et puis le boomerang. Je ne sais pas si je le dis bien. Donc, effectivement, je ne me suis vraiment pas trompée. Je vous avais dit événement proche que ça apporterait de la tristesse. Vis-à-vis de leur trahison de crotte là, qu'on aurait donc des nouvelles concernant donc des familles et puis des ennuis vis-à-vis de ceci et puis surtout là c'était intéressant c'est route barrée, voilà c'est ce qui se passe donc dans les dom-toms, ne pas dépasser 5 km, d'accord, et puis donc quelque part aussi l'envoûtement, on envoûte les gens aussi, bref, hein, voilà. Et puis quelque part, on est quand même bloqué vis-à-vis des couvre-feux, si je me trompe pas, de je sais plus quelle heure à 5 h du matin, d'accord? Ce qui représente aussi donc l'enfermement et les nouvelles. Donc, ce qui est important là, c'est surtout d'aller à l'extérieur. J'ai pas tout ressorti, mais là, ça nous dit vraiment de faire attention. Donc nous sommes bien en été, effectivement. Ça nous parlait d'enfants, rappelez-vous. Hein. Donc attention, vigilance, d'accord, sur ceci, ce qu'ils veulent mettre en place ici. Donc la vigilance était sortie, ceci aussi, et le feu aussi encore. Et puis voilà, je suis désolé, c'est sorti. Donc effectivement, on apprend. Des nouvelles vis-à-vis de certains décès qu'on vous dit que ça vient du hein, pseudo machin, alors que ça peut venir aussi donc des personnes malheureusement qui sont voilà. Donc oui, nous sommes surveillés parce que rappelez-vous, je vous avais dit que j'ai une abonnée qui a vécu donc aux USA, qui a toujours des relations là-bas et donc ça y va fort aussi, bien sûr. Donc il y a eu aussi donc je sais plus le nom là vis-à-vis de Mohamed hein, Diallo. Donc on a appris des choses, mais bon bref sans plus. Hein, donc je vous avais dit qu'on aurait des nouvelles de trompette, etc. Et puis donc je vous avais dit pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, elle connaissait donc une connaissance qui était donc aux USA, au Texas, je crois. Dans son pavillon, elle était, donc ça fait déjà 1 an ou 2 ans de ça, elle était en train d'être sur une chaise, comment dire, une chaise où on s'allonge, vous savez, dans le jardin. Et puis, il y a des drones qui viennent et qui regardent, qui surveillent. Et il y en a même qui regardent par la fenêtre. Donc, voilà un petit peu le modernisme. Je vous avais parlé aussi de robotisme, aussi. De transhumaniste, enfin je sais plus, j'arrive pas trop à vraiment le dire. Voilà, donc vous avez vu maintenant, il y a toujours des caissières, mais bon maintenant vous avez aussi dans des grandes surfaces, au lieu de mettre des employés, on met
Voilà, vous passez vos trucs, si vous n'avez pas trop de courses, vous passez, et c'est une machine, machin, etc., etc. Donc voilà, c'est plein de choses qu'ils veulent mettre en place comme ceci. Ils veulent se diriger vers le robotisme aussi. Voilà, même s'il y en a qui ne veulent pas y croire, c'est leur but aussi, transhumaniste, etc. Ça, j'en avais parlé, d'accord? Je vous avais raconté d'un rêve que j'avais fait, que je ne comprenais pas trop vraiment. Et en fin de compte, je voyais dans ce rêve prémonitoire, je pense, que quelque part, je voyais qu'on touchait ce qu'il y a dans la tête, le cerveau, je ne sais pas quoi. Donc, faut revenir en arrière, hein, ça fait peut-être un an de ça ou 2 ans, je ne sais plus. Donc, faut revenir en arrière. Donc, en ce qui concerne les îles DOM-TOM, etc., françaises, c'est des personnes qui ont le sang chaud. Voilà, donc je pense qu'ils ne vont pas se laisser faire, ça c'est une canalisation. Je pense qu'ils ne vont pas se laisser faire et ça peut aller très loin comme ceci, d'accord? Donc ce qui se passe dans les îles, ça pourrait éventuellement venir donc ici aussi. Donc à faire attention, d'accord? Donc qu'est-ce que j'avais sorti aussi? Donc il y a beaucoup de vidéos qui circulent hein, au niveau des vérités. Hein. Donc à bas les masques, je vous avais sorti. Là, c'est l'été aussi, mais j'avais sorti automne, hiver, etc. Des mises en lumière, d'accord, de plus en plus de mises en lumière. Voilà, on voit un homme vis-à-vis des dossiers, des emails, etc., etc. Que on allait prendre aussi les vérités au niveau des chiffres, de tout ce qui se passe actuellement, des chiffres aussi au niveau de, comment dire. Puisque pas mal de personnes ont vu que Trompette devait passer. Donc il y a eu fraude, d'accord, au niveau des chiffres, au niveau des élections, d'accord, vis-à-vis de cet homme-là. Trompette. Donc oui, il y a eu des choses qui ont été dites, mais bon, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? J'avais sorti une femme brune aussi, donc si quelqu'un pourrait m'expliquer. Ce que cela veut dire, voilà, parce que je n'écoute plus rien du tout, bref. Donc voilà en gros. Donc c'est vrai que quelque part j'avais vu juste, hein, je le répète encore. Hein, je vous avais sorti ça. Voilà, donc apparemment ils ne sont pas assez dans les dom-toms. Voilà, il y a eu des débordements au niveau des manifs. Et puis quelque part maintenant, voilà. Hein, il y aurait des ennuis au niveau des familles, on aurait des nouvelles hein, vis-à-vis de ces, voyez ce que je veux dire, ces corrompus, les nouvelles seront apporteraient de la tristesse vis-à-vis aussi des événements proches, et puis surtout, ça c'était intéressant, ces routes barrées, donc vous voyez, hein, on ne peut pas y accéder. Et apparemment, dans les dom-toms, c'est pas plus de 5 km. Hein. Et quelque part, on voit comme des barreaux, hein, un peu la prison. Donc, quelque part, c'est aussi couvre-feu, etc., etc. Et les nouvelles. Donc, voilà, je vais y arriver quand même. Hein. Donc, voilà, c'est très important. Donc, aujourd'hui, je ne serai pas là. Et pour finir. Je vais vous passer une musique et je vais vous faire montrer quelques cartes. Voilà. Donc n'oubliez pas que j'avais vu la chance, etc., etc. Mais voilà. Si vous voulez, le plan avance très 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 vite. Donc c'est maintenant qu'il faut se bouger et pas dans. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut aller visiter la France. Et puis, je pense qu'il y a d'autres pays aussi qui le font pour arriver, essayer à faire quelque chose, parce que le temps passe vite et la rentrée des classes, c'est très bientôt. Donc, je retire ça, voilà. Je retire ceci. J'espère que vous avez pu suivre malgré toutes ces coupures que j'ai eues. Là, apparemment, ça a l'air de bien marcher. Donc, je vais vous passer une musique, je vais vous montrer les cartes comme d'habitude. Et surtout, surtout, soyez nombreux. Ok? Allez, à tout de suite.
répandu, ces cris sourds du pays qu'on enchaîne. Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs, à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et Saint-Vauteur, attention à ton fardeau. Dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens creusent des lits, font des rêves. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Bah écoutez, je vais vous laisser et puis pour les personnes qui vont visiter la France et d'autres pays, du courage, apportez-vous de l'eau, faites attention, voilà. Il y a que comme ça qu'on pourrait, faut pas écouter ceux qui disent que ça ne sert à rien, c'est faux. Si ça sert à quelque chose, parce que dans le passé, ça s'est passé comme ça, donc on va pas tout détruire ce que nos anciens ont fait, d'accord? Parce qu'ils veulent aller plus loin, d'accord? Donc la rentrée scolaire, c'est très bientôt, il faut y penser, d'accord? Parce que le calendrier, vous l'appelez comme vous voulez, il est déjà présent depuis longtemps. Voilà, bon, pour l'instant, ça a l'air de marcher. Donc, il y a des belles visites à faire en France, un peu partout, et je pense qu'il y aura davantage de monde. Voilà, même si on vous dit autre chose et qu'on vous montre d'autres images dans les médias, vous savez qu'ils vous mentent maintenant. Voilà, ils ont le nez qui s'allonge de plus en plus et davantage. Bref, je pense que tout le monde est au courant et c'est une bonne chose. Ouvrez davantage vos yeux et ayez l'œil du tigre, comme je dis. Voilà, et il faut contrecarrer tout ceci parce que c'est vraiment important, vraiment, vraiment, il y a urgence. Vraiment, vraiment, je le dis, je le ressens sincèrement, il y a vraiment urgence et j'arrêterai pas de le répéter. D'accord? Donc,
Il faut contrecarrer tout ceci parce que non, là les enfants, ça va trop loin, d'accord? Vous voyez ce qui se passe en Israël, d'accord? Hein, ça fait longtemps que je vous dis que c'est un pays qu'on veut retirer de la carte. Voilà. Et maintenant, c'est les enfants à partir de 3 ans, je crois. Donc, je pense qu'après, ils voudront aller encore, vous voyez ce que je veux dire, moins de 3 ans. Donc, niet, niet, naï, naï, on ne veut pas de ça. Voilà. Donc, c'est vraiment important ce que je vous dis. Je regarde ma petite fiole là. Voilà, il faut essayer de garder le sourire. Donc n'oubliez pas que ce que je vous ai dit, donc renseignez-vous au niveau des, comment j'ai dit tout à l'heure, CMP, vous savez, des centres où c'est gratuit, s'il y a des personnes qui ont envie de s'exprimer, de parler. Voilà, parce que il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment très très mal. J'ai même appris qu'il y avait des enfants qui se sont retirés la vie et des adultes, etc. J'ai appris aussi notamment dans un village qu'il y a un patron de café qui s'est... Vous voyez ce que je veux dire? Donc non, là, ça va trop loin. Donc je vous en prie, il faut vraiment... comme je vous ai montré les cartes, être unis, être à l'unisson et être de plus en plus nombreux pour faire de très belles visites donc en France. Voilà, pour contrecarrer tout ceci, au moins une partie. Je vais vous laisser, je vous dis pour les personnes qui seront, qui seront en visite demain, aujourd'hui, pardon, puisque nous sommes samedi 14 donc, août 2021. Eh bien, courage. S'il fait chaud, apportez-vous des bouteilles d'eau pour vous rafraîchir. Tout dépend où c'est que vous allez vous trouver. Et là, c'est... voilà, le temps passe. En attendant, le plan avance. Donc, il n'y a plus de temps à perdre. Là, c'est vraiment urgent, urgent, urgent. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouverai ultérieurement, certainement dimanche. Je n'ai pas encore mangé. Voilà, j'ai essayé de voir un petit peu ce qui se passait dans... Voilà, et en fin de compte, j'ai été coupée quand je parlais de certaines choses. Donc, bon, bah, faut faire attention au niveau des commentaires aussi. Parce que je ne suis pas la seule à le dire. Ils retirent des commentaires, ils enlèvent des abonnés aussi. Et voilà. Donc, ce qu'ils veulent, c'est nous surveiller encore davantage, avoir le contrôle sur nous. Voilà. Des drones existent déjà aux États-Unis, existent un petit peu partout. Et même en France, d'accord? Et on veut nous amener vers quelque chose de pas très humain. Donc, il faut contrecarrer tout ceci. Voilà. Ces personnes sont pour moi pas très humaines, n'ont pas de cœur, ça c'est certain, ne veulent pas du bien. Enfin, vous savez tout maintenant, hein, vous êtes au courant de tout. Donc, je reviendrai vers vous ultérieurement. En attendant, je vous fais plein de bisous. En attendant, je vous dis aussi qu'aujourd'hui, je ne serai pas là. Voilà. Donc, je vous fais plein de bisous et à très bientôt. Bisous, bisous.